voilà, je vais mettre au fin, même qu'avec toute sécurité, et dès qu'il est venu déposer pièce et dans l'imprimature, et bien c'est pour ça que ça lui-même ça a été présenté aujourd'hui, mercredi, jeudi. Même j'ai avec secteur vaudois, qui choisit pour un secteur jeunesse là. Nous paraît dans le pays, nous avons été de ma commission, nous candidat PM là. Qui a fait arriver là pour venir déposer pièce, j'en ai regardé là. Maître Smith qui avec Katabi la main avec toute pièce. Eh bien, ça c'est Maître Smith qui a fait arriver, pour venir déposer pièce là. Maître Issou Théophène pour aller représenter et dans le niveau primature dans le cadre d'accord 3 avril 2024 là. Nous avons fait des exigences avec les conseillers. Donc, ils ont répondu, nous demandons pour dire officiellement que l'inscription a démarré. Deuxième bagage, nous demandons qui exigence, en dehors de sa constitution, pour le premier ministre, qui exigence qui a été fait. Et troisième bagage, nous demandons pour dire également qu'il est et inscription a fini. Donc, ils ont répondu à la correspondance là, qui a fait que ils ont écrit de façon officielle pour dire mais qu'il est inscription a commencé, mais qui s'est il y a besoin comme pièce et mais qu'il est là fini. Cependant, bon bagaille pour nous remarquer, nous avons une légèreté dans ça il fait comme exigence pièce. À savoir, il même moi des monde qui premier ministre là, c'est après un mois, il y a jusqu'à un mois pour remettre on sait des documents sensibles, extrêmement sensibles. OK? Et nous la majorité monde qui vient déposer pièce, c'est des monde qui étaient déjà soit premier ministre, qui étaient ministre, qui t'a géré les affaires l'état, qui était secrétaire d'état, qui était conseiller des bagailles. Donc Jodian, n'a pas demandé pour conseiller de tirer la révérence. Il faut avoir une plus belle image. Nous encourageons dans route ça pour que yo traite dossier avec soin, pour yo traite dossier avec soin, pour yo traite sans parti pris. Jean a quoi demandé dans l'article 7 là. L'autre bagage, secteur jeunesse haïtien a demandé. Secteur jeunesse haïtien a demandé pour conseiller également faire un dépassement de eux-mêmes.
Parce que c'est seul nous-mêmes qui avons un candidat qui pas dans aucun parti politique. Donc ça facilite un dénouement avec la crise que nous avons enduré aujourd'hui. Donc, nous pouvons permettre à ce que le candidat nous, secteur que nous choisissons, pour dire seulement deux mots, vraiment deux mots à la presse, pour exprimer façon que lui recevoir les nouvelles que nous faisons choisir de lui comme, comme prochain premier ministre dans le niveau secteur jeunesse haïtien. On arrive à tous les fins. Maintenant, je remercie la presse qui toujours accompagne nous dans la bataille pour bien-être, dans la bataille pour nous vivre dans le monde, dans la bataille pour respect, dans la bataille pour dignité, dans la bataille pour nous rapatrier l'indépendance nous comme peuple. Nous dit la presse, nous féliciter pour le fait que l'identifier les gens qui entrent dans une bataille authentique, dans une bataille réelle pour nous rapatrier la souveraineté nous comme peuple, pour nous permettre à ce que gagner une solution haïtienne avec crise multidimensionnelle que pays a connu depuis 10 ans. Nous lançons un remerciement spécial avec le secteur jeunesse là, avec le secteur vaudou qui eux-mêmes yo jeté des volets au sous. Yo identifié nous comme acteurs légitimes qui capable porter revendications populaires, qui capable porter revendications monde qui plus faible, qui capable redresser bas pays. Jodi an nous disons, nous engager nous prenons responsabilité ça à demain et nous prêts pour mener bac pays à bon port. Et Nabdil, je dis, nous en face une responsabilité historique. Côté que pays a plongé net aller, nous besoin un souffle nouveau. Nous besoin un monde qui a caractère, qui a compétence, qui a dignité, qui est capable de décider, qui est capable de négocier avec quel que soit pays dans le monde, là, dans l'intérêt du peuple haïtien, en respectant la loi haïtienne, en respectant la loi haïtienne, les conventions, accords, traités, légalement ratifié par l'État haïtien. C'est dans des masses ça, secteur jeunesse là, yé. C'est dans des masses ça, moun qui plus conscient yo, yé. C'est dans des masses ça, peuple haïtien, yé. Eh bien, revendication populaire, li exprimer à travers mettre issue au fait. Eh bien, conformément aux dispositions de l'article 157 de la Constitution, nous remplissons toutes conditions constitutionnelles et légales. C'est pour raison ça, nous soumettons à l'appréciation des honorables membres du JCP, un ensemble de pièces, notamment nous gagnons patente, nous gagnons diplôme, nous gagnons acte de naissance, nous gagnons attestation barreau, nous gagnons attestation barreau, nous gagnons lettre côté que nous sommes responsables de commission protection des avocats au barreau de Port-au-Prince, nous gagnons permis de conduire, nous gagnons certificat, nous gagnons 4 barreaux, nous gagnons certificat de déclaration définitive d'impôt nous, côté que montrer pendant 5 dernières années pour montrer moun kap vin servir l'État, c'est un monde qui en règle avec l'État, qui en règle avec les fisc. C'est un monde qui passe sous sanction dans barreau. Ça veut dire qu'il y a un certificat attestant, li pas sous le coup d'aucune sanction. Donc, c'est moun ça qui vient déposer par devant conseil là pour appréciation document. Eh bien, sous base ça, nous dit, quel que soit moun qui appelait pour diriger l'État au niveau gouvernemental, il faut que lui
respecter exigence article 157 constitution. Il faut que c'est un haïtien authentique. Ça veut dire un haïtien d'origine qui pas jamais renoncé avec nationalité. Il faut que l'on ait 30 ans pour pipiti. Il faut que l'on ait un domicile en Haïti. Ça veut dire une propriété bâtie. Ou sinon la exercer leur profession légalement reconnue par l'État haïtien. Il faut qu'il n'y pas sous le coup d'aucune sanction. Ça veut dire qu'il n'y pas impliqué ni de près ni de loin, national et international, dans aucune forme de malversation. Faut que c'est un monde qui est prêt pour servir l'État et qui est prêt pour faire sacrifice pour sauver le pays d'Haïti. Merci. Alors, qui a une capacité, qui a une compétence, qui se met ici que vous faites, nous venons supporter, parce que nous croyons dans la dynamisme, nous croyons dans la capacité, parce que question de sécurité, question de la richesse, question de la réconciliation nationale, nous connaissons les camarades ici que vous faites, qui sont suffisamment prêts et compétents pour aborder la question de la question de la souveraineté nationale. Nous, on doit conseiller la gombaque à Tigomoun. Qui l'a dans eux, même si Tigomoun est en âge. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des jeunes, des 109, des jeunes garçons qui fougueux, qui capables, qui comprennent l'administration de l'État, qui comprennent la communauté internationale, là, qui capables de mener bac pays. Parce que nous avons une conjoncture pareil. Si nous avons un jeune garçon qui a des capacités, qui a des compétences, qui connaît le béton, qui connaît la rue, et la preuve est bien grande. Ou est-ce que c'est nous-mêmes qui venons de là et qui fait acte de présence nous pour nous supporter, candidature, mais qui suit au fait, parce que si on est nous connaissons, il est toujours sous béton avec nous, les arrêtés militants sont toujours présents, il n'y a pas jamais fait marchandage, c'est vrai, avocat peuple là, c'est vrai, militant qui a défendu droit Mounio, et ça fait nous-mêmes présence, et ça qui marqué présence nous là devant primature là, nous venons supporter candidature, camarade nous, mais qui suit au fait. Visage qui dans la rue aujourd'hui, il est toujours dans toute. Présence même aujourd'hui devant le village d'accueil. C'est pour nous dire avec la communauté nationale, là, tout comme avec la communauté internationale, là, que nous-mêmes dans le secteur jeunesse là, en d'un pays, nous faisons choix de mettre Isrik Théophile pour venir comme premier ministre de la transition, de cette transition démocratique. Nous-mêmes dans le secteur jeunesse là, nous sommes campés en d'un pays avant le conseil présidentiel là. Nous campons dans le pays pendant le conseil présidentiel là. Et nous campons après. Jusqu'à ce que nous offrions le pays, nous avons l'autre alternative. Une alternative de paix, une alternative de développement, une alternative de sécurité. Nous croyons que nous sommes aujourd'hui, c'est pour nous dire pour tout le pays attendez, c'est politique qui crase la justice dans le pays. C'est mauvaise gouvernance qui crase le pays. Et ça fait que aujourd'hui, nous ne faisons pas que un jeune garçon qui a toute capacité requise pour mener bac transition au niveau de la primature. Donc nous clair sur question ça, nous voyons que y a des gens qui inscrivent, nous respectons ces droits pour inscrire. Mais nous-mêmes, dans le secteur jeunesse-là, nous-mêmes qui sommes force pays, nous-mêmes qui sommes force pays, nous campons derrière M. Isrik Théophile pour qu'il vienne premier ministre transition, pour nous offrir pays, nous l'autre alternative. Parce que nous nous disons là, pas de monde dans le pays là qui est capable de circuler, pas de monde dans le pays là qui est capable de vivre dans le pays. Donc, nous, puisque nous constatons cet état de fait, puisque nous constatons cette situation, ça, et bien nous croyons aujourd'hui, c'est la jeunesse qui pour lever rideau pour que nous offrions pays une sortie de crise. Regardez bien, grand pile dans le monde qui est dans le conseil présidentiel là, c'est des gens qui occupent déjà des fonctions dans la politique pays. C'est des gens qui occupent des positions dans le pays depuis 1986. Et ça fait nous-mêmes, nous-mêmes, qui c'est une nouvelle figure de la classe politique. Nous sommes une nouvelle génération de la classe politique. Et ça fait nous-mêmes, dans cette jeunesse-là, nous choisissons Corée,
mettre l'esprit de l'offre d'une façon pour offrir le pays à une alternative car dans l'intérêt de tout le pays. Il changeait, c'est ça qui fait que nous choisissons dans le secteur jeunesse-là, nous choisissons de mettre l'esprit de l'offre. Premier ministre de la transition pour renverser sa gain là comme insécurité et pour offrir le pays à une autre alternative dans l'intérêt. Tout pays. Merci à vous. Merci à ça a changé l'été à l'hiver pour Haïti et pour les Haïtiens. Je dis à la ligne du temps. Il a le temps pour jeunesse là faire un coup. Il a le temps pour jeunesse là pour aimer dans le pacte là. Parce que je ne dis à nous, sans question de retirer pied, mais de pied pas. Je dis à la, nous disons même, nous c'est que la jeunesse là. Je représente Sanne, mes alliés juniors, dans toute intégralité. Et nous étions quoi? Peuple a eu le Sanne, mes alliés juniors. Merci, parce que c'est comme si nous avions dit, il n'y a pas de chambre pour les jeunes garçons qui viennent par la relève, qui pourraient des jeunesses là. Je dis à la, le regard des secteurs, l'agriculture, c'est haut. Le regard des secteurs social là, c'est haut. Le regard des secteurs, éducation, c'est haut. Ça veut dire que l'on garde sous environnement, c'est haut. L'on garde sous bagaille développement pays, c'est haut. Mais avec nous sommes les juniors, mes alliés, on a une question de l'autre bagaille, c'est la différence. Je dis à ce pouvoir sur ça, qui fait nous-mêmes, organisation des patients, nous-mêmes, les militants emblématiques, nous-mêmes, les dirigeants, les responsables, organisation, parti politique, nous faisons choix, sommes les alliés juniors, comme PM pays, comme PM pays. Merci. Et nous-mêmes, CEJA, nous sommes représentants jeunesse haïtienne. Et je dis à nous venir accompagner M. Théophène comme responsable CEJA pour venir déposer pièce en deuxième fois. Parce que il y a l'autre exigence qui t'a faite. L'autre exigence, je t'ai demandé que, en début de pièce que nous devons déposer, et il y a des listes ensemble de pièces. Nous-mêmes, nous avons pris le soin pour nous préparer les pièces pour nous déposer. Et je dis à, je dis une deuxième fois, nous avons déposé les pièces. Et ceci, nous avons demandé nous pour nous déposer les pièces. Nous avons mis ça, c'est trois pièces. Alors que nous avons écrit nous-mêmes, nous prenons le soin pour nous écrire pour nous dire, il faut nous dire, candidat, qui nombre de pièces a bien pour nous déposer. Et qui a commencé l'inscription, qui a fini. Donc c'est sur la deuxième fois ça. Nous avons aussi sorti un listing qui c'est trois pièces. Je pense que pour moi-même, là, c'est une violation de la Constitution 1987 amendé. Pour qui ça? Parce que la Constitution est claire, elle dit que pour un premier ministre dans le pays, il ne faut pas jamais renoncer avec la nationalité. Il ne faut pas jamais inculper devant la justice comme un monde qui t'a détourné bien l'État. Faut ou pas jamais voler. Faut ou bon meuble ou bien un immeuble dans le pays. Faut qu'on ait 5 ans depuis qu'on vive dans le pays. C'est que en pile monde là n'a pas gagné. Pour être capable de faciliter les gens qui ont déposé pièces, ils ont dit, ils ont demandé 3 pièces seulement. Et l'autre pièce, après un mois, il y a gagné pour tout. Ça t'a dit qui ça? Ça t'a dit que monsieur qui a organisé l'activité dans le CPA, c'est des gens qui ont fait politique de poids et de mesure depuis jeudi à même. Parce que ils ont commencé à mal agencer la question pour tes pièces là. Mais nous connaissons tous ceux qui ont fait venir déposer pièces pièce sur un premier fois, ils ont pas très sévalé. Mais ils viennent tourner venir déposer pièces. Est-ce qu'ils sont entrés en dedans déjà pour déposer pièces? Mais tous ceux qui ont fait venir entrer en dedans déjà viennent déposer pièces. Je demande un certificat de nationalité.